Alors, moi, je suis le genre de personne, quand je suis en contact avec une personne que j'aime, que ce soit sentimentale, amicale ou bien fraternelle, je dis ce que je pense. Si tu es bizarre là, je te dis que tu es bizarre. Si tu fais des choses bizarres là, je te dis que tu fais des choses bizarres. Beaucoup de gens choisissent de se taire quand ils ont affaire aux personnes qu'ils prétendent aimer. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la méchanceté. Tu es en contact avec une personne qui te fait des trucs qui t'énervent, qui a tendance à faire certaines choses qui ne te plaisent pas. Mais tu réussis à faire comme si de rien n'était. Tu ne rends pas service à la personne. Dites les choses aux gens pour les aider à changer, pour les aider à s'améliorer. Il vaut mieux que ça vienne de vous, qu'ils connaissent, au lieu qu'on les critique à l'extérieur. J'ai une petite sœur là, avec qui on se critique, même les maris. Hein. Ah, y a ton, mon beau-frère là aussi a une tête bizarre. Hein. Elle s'éclate de rire. Elle sait que c'est pas méchant. Et effectivement, des fois, le beau-frère en question a une tête bizarre. Moi, je suis allergique aux hypocrites, aux méchants, aux haineux. Je suis allergique à tout ce qui est bizarre, à tout ce qui est faux. Ceux qui me connaissent vraiment, ils m'aiment pour le vrai, pour ce que je suis. C'est comme ça. Il y en a à qui ça n'a pas plu, hein. Ils m'ont tourné le dos. Mais ils savent au fond d'eux que je suis une personne vraie. Et c'est ce qui fait la différence entre moi et beaucoup de gens. Donc, soyez vrai avec les personnes que vous prétendez aimer. Dites-leur les choses pour les aider à voir les choses d'une autre manière.